Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la playroom, ce nouvel épisode de cette nouvelle session sur Fallout 4. Donc chers amis, j'ai toujours la voix complètement pétée, mais malheureusement il faut que je tourne. Donc bon, on va tenter le coup. Hop. Voilà, oui j'avais pas réussi à avoir du sexe avec Magnolia, c'est dommage. C'est dommage. Alors, les fonds-jeux, oui. Bon, pourquoi pas. Alors. Bon, bah vu que ça nous avait refusé, on avait tenté de partir vers l'est, c'était aussi dangereux que vers le sud. Je pense qu'on va donc changer de... Excusez-moi. D'endroit. Littéralement d'endroit. On va aller faire un petit peu de quête, tant pis. Hein. On verra bien laquelle nous intéressera. Alors. Eh ben c'est long. Ça y est, bon. Données. Alors, opération souterraine. Oui, ça je m'en rappelle, il fallait aller à Diamond City. Parler à Preston, ça j'ai envie d'éviter. Tiens, ça fait longtemps ça. Ok, alors. Mince, alors c'était où du coup? Parler au Paladin Dance. Alors je vais enlever tout ça, tout le reste. Ça permet d'être un petit peu plus propre au niveau de la carte. Alors, commissariat de Cambridge. Allons voir. Bobby Pins, Tumblr Today. Chaque nouveau de gorge et peine mêlant le point critique lors d'un crochetage d'une serrure. Le point critique. Intéressant. Intéressant. Bon, allons-y. Daniel n'avait rien de bien, qu'est-ce que c'est une autre. Je n'avais aucune autre. D'accord, ok, d'accord. Ça, c'est intéressant à savoir. Alors, il y a des mods pour rendre ces bouquins brillants. J'en ai trouvé, je ne les ai pas installés, ça m'intéresse pas des masses. Si vous pensez que c'est utile et que ça pourrait correspondre à ma façon de jouer, bah, écoutez, j'y réfléchirai, mais pour l'instant, ça me semble pas... suffisamment lore friendly comme dirait l'autre, donc ça correspond pas suffisamment au jeu pour que ça puisse être... C'est pas parce qu'il y a des radiations partout que les bouquins doivent être irradiants. Alors. Et B. Un instant, je vais vérifier si j'ai rien d'ouvert parce que ça m'intrigue. Re, on va bien voir si c'est mieux comme ça. Hop, on reprend. Paladin Dance. Dance. Bonjour. Vous pourriez y aller? Oui, on peut y aller. Formidable. Suivez-moi et ne traînez pas en route. Compte sur moi. Je te suis. La démarche de l'armure est géniale, par contre. Alors, j'ai amélioré donc les skins des armures, hein, les armures assistées. Hop, est-ce que je peux ouvrir? Ah, ça y est. Oh putain, il y a un temps d'attente qui est assez incroyable. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut que je laisse le personnage partir et que je le rejoigne? Est-ce que ça veut... Est-ce que c'est pas un petit peu cet objectif-là? Alors. Non, même pas. Bon, allons-y. Au cas où, s'il y a des ghouls... J'ai toujours en 4 mon arme. Nous allons emprunter cette ruelle. Suivez-moi. Attends, il se bat à main nue ou il se bat... Non, il a l'air d'avoir une arme. Il a un fusil laser apparemment. Arc 7 n'est pas loin d'ici, vers l'ouest. D'accord. Cette route devrait nous permettre d'éviter le gros de la meute de ghouls sauvages qui infeste Cambridge. What the fuck? C'était quoi ça? Nous prenons un gros risque en nous éloignant du commissariat. Mais cet émetteur est notre priorité numéro 1. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais levé le camp depuis longtemps. Mais le scribe Hélène a détecté des signaux énergétiques inquiétants. Il faut qu'on examine ça de plus près. Nous ne savons pas grand chose pour l'instant. Si ce n'est qu'ils sont brefs et que la fréquence qu'ils utilisent indique l'emploi d'une technologie sophistiquée. Nous craignons que la source de ces signaux représente une menace potentielle. Attends avant de partir. Il est notre devoir de mener l'enquête.
Saloperie. Je l'ai même pas vu. Allons-y. Il y a un corbeau droit devant. On croirait pas, mais ça rajoute énormément à la vie entre guillemets du jeu. Oula, il y a des trucs là-dedans. C'est limite flippant par là quand même, hein. Avec les différents modes de lumière, par contre, j'ai vraiment des problèmes au niveau du son. Est-ce que ça le fait aussi dans la... Alors, je vous pose la question, chers amis, du coup. C'est quoi ce bordel? Énorme. Fini de jouer. Ok. Merci le chien, c'est bien. Hop. Putain, ils ont tué des gens. Ça va peut-être vous surprendre. Alors, est-ce que vous aussi vous avez le problème de son là, dès que je tourne le doigt des gens Est-ce que vous aussi ça coupe limite le son complètement du... Avec des caisses entières d'artefacts datant d'avant-guerre et de documents historiques. La seconde a eu moins de chance. Mais après leur arrivée sur place, nous avons perdu le contact radio. Et nous n'avons plus jamais eu de nouvelles d'eux. Quant à mon unité... Ce fichu désert radioactif m'a déjà coûté... Si vous aussi ça vous fait la même chose, je serais curieux de savoir. Nous avons été pris pour cible dès notre arrivée. Mais je n'ai aucune intention de baisser les bras et de faire demi-tour. Ni de mourir ici. Je te comprends. Oh, bonjour. Gilet noir. Rien de bien utile. Dommage. Allez, je t'en prie, on y va. Hop. Excusez-moi, je sais que c'est d'une violence. D'accord, tu remontes. Je te suis. Qu'est-ce qui t'arrive? D'accord, il s'est perdu l'espace d'un instant. Son GPS a mal fonctionné. Oh, j'ai cru voir du mouvement là-haut. Je crois que nous ne sommes pas seuls. Alors, certains m'ont dit... Tout va bien. Hop là. On m'a dit d'utiliser des armes au corps à corps contre les insectes. C'est vrai que ça me semble assez efficace. Chut, j'ai entendu quelque chose. Hop les. Alors, réduit 50% les dégâts de chute, bah, je vais le prendre. J'en ai déjà un, alors je suis curieux de savoir comment ça va me réduire les dégâts de chute, mais c'est pas grave. Revolver de fortune, pistolet, ça ne m'intéresse pas. Oh la vache. Hop les. Niveau plus, génial. Hop, allons mettre ça. Nous sommes donc niveau 19. Hop, on avait mis un niveau là-dedans, effectivement. Voler les armes équipées, pourquoi pas, mais c'est pas pour l'instant une nécessité. 23. Alors on m'a dit d'améliorer la compétence celle-ci, mais pour l'instant, alors je l'explique maintenant en vidéo, je l'explique en commentaire. Si je le fais à l'heure actuelle, ça risquerait de me mettre plus en danger qu'autre chose parce que ça pourrait. En fait, si je le prends, c'est pas grave, mais vous me demandez de faire des tours de recrutement et d'améliorer Sanctuary. Le problème, c'est que actuellement le housing du jeu est de très très mauvaise qualité, ce qui fait que si je le fais, je risque d'avoir plus souvent des attaques avec un housing qui est buggé. On peut pas remapper les touches. Donc voilà le gros problème en fait actuel.
Et voilà ce que j'essaie d'éviter. Donc voilà les gens. Vous pouvez accéder au module high-tech de rang 2, par contre ça pourrait être utile. Là je peux pas avoir le rang 2 pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Armurier, ça pourrait être sympa aussi ça. Ah ça aussi ça peut être sympa. Davantage de capsules, ça peut être sympa aussi. Que des capsules jaillissent d'eux. Ah, ça peut être fun. Hop, juste pour ça, je le prends. Je vais trouver plus de capsules qui me permettent d'acheter des munitions aussi. Ce qui peut être assez intéressant. Parce qu'après tout, l'argent, ça pourrait être utile. C'est vrai que pour l'instant, j'achète pas grand-chose. Mais trouver plus de capsules, ça peut être génial. Nous y sommes. Arc-Jet System. Ouh. Il ne devrait pas y avoir de système de sécurité à l'extérieur. Non, apparemment non. Effectivement, il n'y en a pas. Arc-Jet System. Alors attends, je vais voir là, moi. Pas grand-chose, hein. Effectivement. Alors on m'a dit de récupérer les cendriers normaux, parce qu'il y a des cendriers qui sont normaux et des cendriers qui sont en plastique. Ceux normaux sont en céramique, extrêmement important. Yo. Paladin Dance. Écoutez-moi bien, pas d'étincelle, d'accord? Je veux de la prudence et de la discrétion. Dis-le mon armure assistée. Résumé de la mission. Qu'est-ce qu'on fait à Arc-Jet déjà? Nous sommes à la recherche d'un dispositif capable de renforcer le signal de l'antenne radio du commissariat de Cambridge. Oui. Sans lui, impossible d'entrer en contact avec mon commandement. N'oubliez pas, notre cible prioritaire est l'émetteur longue portée. Concentrez-vous et faites attention aux lignes de tir. Je n'ai pas envie de me prendre une balle perdue entre les omoplates. Ça va, entre les omoplates, t'as de l'armure derrière hein, quand même. Hein. Allons-y. Hop. C'est parti. Alors. I'm the Wanderer. C'est éclairé. C'est ce genre de corporation qui ont scellé le destin de l'humanité. Ils ont exploité la technologie pour engranger les bénéfices tout en fermant les yeux sur ses méfaits. Et je vois ce que tu veux dire. Regardez ces épaves. Quelqu'un s'est déjà chargé du système de défense automatisé, on dirait. Le travail de la confrérie? Le travail de la confrérie de l'acier? Malheureusement, non. Regardez un peu. Pas une seule douille. Pas une seule goutte de sang. Des synthétiques. Ces robots ont été attaqués par des synthétiques de l'Institut. Ouais, ouais, je vois. Que sont exactement les synthétiques? Les synthétiques? Quelle différence avec les robots? C'est une aberration technologique créée par l'Institut. D'accord. Des humains soi-disant améliorés. Donc voilà, est-ce qu'ils sont voués à être de vrais humains? De l'humain amélioré? Une telle chose n'aurait jamais dû exister. Je serai sur mes gardes. Je serai sur mes gardes. Bien, on avance. Hop. Cependant, ça va pas m'empêcher de rechercher des choses. Ouh. Ouh. Ah, on peut rien trouver sur les robots. Ah, ils ont pas de corps, vraiment. Terminal de sécurité, utilisé. Ah, tiens donc. Commande de Protectron. Activer les unités. En vrai, on peut pas avoir un copain. Quand nous aurons rempli notre mission, je relèverai les coordonnées du site pour une future mission de récupération. Alors oui, les ombres vont un petit peu bugger, hein, forcément. C'est pas parfait, c'est un mode. Alors. Continuons à fouiller un petit peu. Ça me fait chier qu'il avance tout seul. On trouve des capsules partout, j'ai l'impression maintenant. Regardez. C'est un cul-de-sac. Essayez d'ouvrir cette porte pendant que je sécurise la zone. Hop. Il y a un gros bouton là. D'accord, cette porte est verrouillée par un.
Par un terminal, ok. Tu sécurises la zone. Bah oui, c'est vrai que tu dois avoir des difficultés pour la sécuriser. Terminal d'analyse de laboratoire, intéressant. Ah oui, d'accord, c'est pour trouver le mot de passe. Donc non, parce que si je trouve le mot de passe, ça va m'empêcher de gagner l'XP. Et c'est pour ceux qui n'ont pas le niveau avancé encore. Alors, je dirais plutôt c'est OPT. C'est pété même, je dirais. Alors. Même pas, pas forcément. Denying, il y en a 3, donc ce serait bien ING. Joli. Voilà, je l'ai eu. Ouh. Commande du laboratoire. Erreur, connexion impossible au prototype, contactez un technicien pour toute demande d'assistance. Ils ont un prototype. Commande de la porte de sécurité. Ouvrir la porte. À mon avis, il y a quelque chose à l'intérieur qui va pas nous faire du bien. Beau travail. Mouvement détecté. On a... Oula. Effectivement, on a un problème. J'attaque la cible ennemie. Capteur principal dans un état critique. Capteur principal dans un état critique. Tu t'arrêtes. Hop. Menace neutralisée. Hop les. Matraque décharge. Ok. Je crois que nous avons un problème. Il y a quelqu'un. On n'est pas seul. Votre élimination est nécessaire. Bon sang. Ouais, mais t'étais parti devant, écoute. Cible multiple, abattez-les. Liquidez-les. Ok. Avance pas trop vite, j'aimerais fouiller un petit peu les différents robots et les différentes zones. Ah oh, putain, il y en a encore. Fin du combat. Oui bah le problème c'est que tu fais tout seul quoi, comme un con. C'est saoulant. Voilà pourquoi j'aime bien le chien. Stimulation, je le prends. Ça m'intrigue. Tourelle, d'accord, il a pété des tourelles aussi apparemment. Ou alors c'est les synthétiques qui les ont pétées. D'accord, intéressant. Hop. Ça y est. Argent d'avant-guerre, drapeau américain. Ok. Tube électronique, je sais pas trop à quoi ça sert. Des capsules. Le complexe grouille de synthétique. Si on fait cela. Bonus permanent, ok cool. Terminal du PDG, ça peut être intéressant. Projet Mars. Après 6 mois d'attente, le SSR, l'administration spéciale des États-Unis a enfin approuvé le choix d'ArcJet comme sous-traitant des systèmes de communication et des propulsions pour le projet Mars. Je risquais gros en mettant mon équipe au travail sur le surpropulseur XMB avant d'avoir finalisé le contrat, mais ça aura payé. Il reste une foule de détails à régler avant avec l'agence. Nous avons un travail de titan qui nous attend, mais je pense que ce contrat va enfin mettre ArcJet sur les rails. D'accord, intéressant. Le mois suivant. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir ajouter le docteur Rolly McClellan à l'équipe du surpropulseur XMB. Il est d'une compétence rare en termes des systèmes de propulsion nucléaire et c'est une excellente nouvelle. Ça a coûté un bras à l'entreprise pour lui faire rompre son contrat avec l'armée, mais ça en vaut clairement la peine. On a promis à l'USSA que le surpropulseur serait prêt au moins un an avant leur date de lancement en juillet 2078. Avec le docteur McClellan aux commandes, on devrait pouvoir tenir cette échéance, voire la devancer.
3 mois plus tard, ou 3 jours plus tard, je sais pas trop si c'est les mois, j'ai pas trop vu. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, 3 mois plus tard donc. Il est temps de prendre du recul et de revoir tout ce qui s'est passé avec chez Artjack System cette année. Il y a 5 mois, l'entreprise bataillait ferme pour joindre les deux bouts. Aujourd'hui, avec les projets du surpropulseur XMB et de l'émetteur longue portée en plein essor, Artjack semble avoir repris un second souffle. Grâce au docteur McClellan, nous sommes dans les temps et sans dépasser les budgets. L'USSA apprécie nos résultats et me parle déjà de prochains contrats après la livraison. Je ne crois pas qu'on aurait pu mieux terminer l'année. Donc le début de l'année suivante, au mois de janvier, février, mars. Le docteur McClellan m'a dit que nous avions un problème avec le surpropulseur XMB. L'USSA tient à ce que le moteur ne dépasse pas le poids autorisé, mais à cause de ce système de raffinage de l'uranium, on a quelques centaines de tonnes en trop. On a un mois de retard sur le planning et franchement, je commence à paniquer. Le docteur McClellan m'assure qu'il trouvera une solution bientôt, mais ça ne me rassure pas beaucoup. Oula. Juillet 76. L'USSA a commencé sa campagne de relations publiques pour le projet Mars et ArcJet Systems se retrouve entre le marteau et l'enclume. La semaine dernière, je crois qu'on a eu une quinzaine d'interviews différentes et on a simplement posé les mêmes questions. Ils veulent tout savoir quand on veut tout savoir. Tous savoir quand on livrera le surpropulseur XMB pour qu'ils puissent prendre de jolies photos du premier tir d'essai. Tout ce que je peux faire, c'est leur décrocher mon plus beau sourire et leur mentir en racontant que le XMB sera livré quand il sera prêt. J'espère que le Dr. McClane résoudra bientôt le problème du poids, sans quoi on risque de ne plus jamais avoir de contrat avec l'USSA. Oula, ça pue du cul quand même là. Novembre 2076, incroyable, l'épique de Dr. McClane a enfin réussi à résoudre le problème du poids du XMB. Il ne nous reste plus qu'à faire les derniers réglages et à fixer sur le réacteur. Avec un peu de chance, on pourra tester le surpropulseur juste après le jour de l'an. C'est marrant quand même, on a tout été à volo toute l'année et finalement ça se résout juste à temps pour les fêtes. Février 2077, on a planifié une séance photo demain pour le premier essai du surpropulseur XMB couplé au réacteur. On va tous les regrouper dans la salle de commande et on va les laisser prendre leurs photos à travers le vitrage isolant. Une fois que le docteur McClellan leur aura sommairement expliqué le fonctionnement du surpropulseur, le moteur dégage une poussée incroyable et ça devrait assurer un joli spectacle. Ah, mars, pardon. Hop, 2 semaines sont écoulées depuis l'accident qui a eu lieu à l'essai du surpropulseur XMB. Apparemment, un photographe a réussi à tromper la sécurité et à pénétrer dans le réacteur quelques heures avant son ouverture à la presse. McClane a effectué un test rapide sur le surpropulseur en le déclenchant pendant quelques secondes afin de s'assurer qu'il était prêt pour la démonstration. Il a réduit l'intrus en cendres. Malheureusement, personne d'autre n'a vu ce qui s'est passé. J'ai envoyé Brent s'occuper de ce qu'il en reste. Après tout, c'est pour ça que je l'ai engagé. Si le public apprend la nouvelle, on n'aura plus qu'à fermer boutique. Septembre 2077. Avec tout ce qui se passe à l'étranger, le CSA semble montrer une certaine frilosité quant à la poursuite du projet Mars. Ils disent qu'ils devront peut-être le retarder d'un an ou plus selon la conjoncture. Si c'est vrai, il va falloir se contenter de recettes du contrat de l'émetteur longue portée qui est déjà terminé. Je fais de mon mieux pour maintenir le moral des troupes, mais c'est de plus en plus difficile avec ce monde qui s'effondre autour de nous. Je vais y arriver. J'espère que le gouvernement va réussir à trouver une solution et que nous pourrons tous remettre au travail. D'accord. Attention. Tourelle droit devant. Montrons-leur comment se bat la confrérie. Longue vie à la confrérie. Pareil à tirer. Ah ! T'aurais attendu un poil. Qu'est-ce que je préfère dans ce boulot ? Cible abattue. Hop. Je m'en ai pas attendu une demi-heure, mais juste un poil, c'est pas grand-chose. Oh putain, puis il continue. Nous fire. Je suis touché. Il rôtisse en enfer. Hop, des cartouches. Des cartouches, un cendrier, des clopes. Des clopes, des clopes, des clopes. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Et des capsules et un fusible. Cool. Donc là, c'est opaque. Voltec. Hop. Progressons, progressons, progressons. Porte. Poubelle. Capsule. Cool. Oh, il y a un bouquin. Livre en retard. Pareil, il faut que je les garde. Hop, la tasse aussi, je la prends parce que... Cadre de bureau, ouais. Non, ça m'intéresse pas des masses. Ça c'est vide. Ça c'est opaque. Des chiottes. Il y a des mains dans les chiottes. Os de main gauche et os. Ah, c'est que des mains gauches en plus. Ok. Là il n'y avait pas de lavabo. Dégueulasse. Hop, ça je récupère.
Là, il n'y avait rien. Et ici, il y avait peut-être quelque chose. Des munitions, j'avais pas vu. Mince. Bidon d'aluminium, ça. Ah, si, l'aluminium, ça m'intéresse. Hop! C'est plutôt bon tout ça. Par contre, on redescend je ne sais où. Du coca. Et là, on est à l'entrée, d'accord. Terminal du réceptionniste, ça peut être intéressant. Tent, 0. Donc. Ça peut pas être celui-là. Ça peut potentiellement être ça. Ça peut pas être ça. Ça peut pas être alive. On va utiliser Nears. C'est pas Nears du tout. Cruel peut-être? Non plus. Dommage, raté. Retentons. Mint. Mint to be played. Alors, M-E-A-N-T. Peut pas être ça, peut pas être ça. Gross, voilà. C'était gross. Messagerie, coffre-fort. Comme dans le j'ai fait installer un coffre-fort dans la réception qui vous permettra de payer les livreurs ou de garder les objets de valeur en attendant leur transfert. Si vous rencontrez un problème avec le coffre ou le dispositif de fermeture, signalez-le moi. D'accord, messagerie presse. Je comprends quand notre annonce au sujet du projet Mars ait fait sensation dans les médias nationaux. Merci de diriger tous les journalistes sollicitant une déclaration ou une interview vers notre département de relations publiques. Ne tentez pas de répondre aux questions posées directement ni de donner des informations sur le projet sans autorisation de express préalable. Donc ils ont un coffre. Bon, à savoir. Là, exact. Bien vu. Hop. Ah, je l'ai pas trouvé celui-là. Premier coup, génial. Des fois, ça joue à pas grand chose. Je préférerais trouver un peu plus de capsules. D'ailleurs, on en a déjà un paquet de capsules, mais bon. Ok, alors. Par là, on peut continuer à descendre. Nous approchons de l'objectif, le réacteur. Non, je veux pas y aller. Je veux pas y aller, j'ai pas tout visité. Je me casse. Alors moi je suis rentré par là, mais apparemment il y a un passage par là aussi. Avec un coffre! Bah voilà pourquoi faut vous fouiller, chers amis. Hop! Ouais. Pistolet automatique, ça m'intéresse pas. L'argent d'avant-guerre, oui. Capsule, oui. Il pèse pas trop trop lourd. Je pourrais peut-être le revendre ou le scratcher. Excusez-moi, je sais que c'est un bruit énervant, malheureusement j'ai vraiment extrêmement mal à la gorge. Là la porte, j'ai l'ouverte, exact. Là je peux pas. Là je suis pas allé voir. Poubelle, rien dans la poubelle. Rien dans le bureau. 11 capsules ici. Pourquoi pas. Ok. Là, ça valait le coup rien que pour les munitions. Arc Tesla, je prends. Oh, ça m'a rapporté des cellules à fusion et des trucs. Oh, c'est intéressant ça. Putain. Tout ce que ça m'a rapporté, regardez tout ce que ça m'a rapporté en haut à gauche. C'est une violence. Y'a pas eu un bruit là. Ah oui, d'accord, en fait. Ça, c'était le piège qui était déclenché avec ça. Ok. Je viens de capter. Donc, il y a des pièges. Faire attention. Expert, tiens donc. J'aurais dû m'en douter, faut que je pense à le faire. Joli. Alors, ça c'est bon, 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 ça c'est bon. Bon, ça fait du mal par où ça passe, ça. Même au niveau de l'XP, c'est pratique. Grande boîte à outils, génial. Je pense que l'Arc Tesla devait faire un sacré paquet de dégâts, en fait. Aïe. Hop. C'est bon. J'ai pris le dernier bout. Là il y avait un coffre. Terminal du laboratoire, intéressant.
Cackling, non, pas du tout. Ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. Portable. Properly, non plus. Ah oui, on m'a dit d'utiliser ce qui était aussi les trucs qui étaient entre parenthèses. Apparemment, il y a un. Erreur. Il y a un truc. Il y a une astuce. Voilà, ça par exemple, c'est. Voilà, et c'est réinitialisé. C'est un bonus. Ok. Removing. Oh, removing, il y a plein de trucs. Mot incorrect supprimé. D'accord, il y a celui-là qui a été supprimé. Ah, c'est pas mal en fait. Mot incorrect supprimé, encore un. Ouais, c'est génial. Ah oui, c'est un truc que je savais pas, apparemment c'est pas nouveau en plus. Mot incorrect supprimé. Donc, on avait dit removing, il y avait 3. Génial. Et voilà le bon. Ok. Commande du coffre vaut pas la peine. Rapport de la mélange de carburant XMB. J'ai encore de convaincre le docteur McLean que remplacer l'uranium par du deutérium permettrait un bien meilleur rendement de propulsion. Il a pas de raffinement de raffinement dans l'uranium du propulseur. De quelques mois, mais je pense que le risque en vaut la chandelle. Je sais que Reinhardt nous demande déjà de faire des semaines de 7 jours, mais je suis prêt à faire des efforts supplémentaires pour améliorer l'efficacité du XMB. Mélange de carburant. D'autant pis, j'aurais essayé. J'ai fait ma démonstration au docteur McLean qui a été impressionné. Il a présenté mes notes directement au conseil d'administration pour leur demander un délai supplémentaire, mais Reinhardt a refusé. C'est toujours une question d'argent. En fin de compte, je ne comprends pas. Nous allons envoyer des hommes sur Mars et nous voulons le faire de la façon la plus sûre et la plus efficiente possible, donc efficace. Tout ce que voient ces imbéciles, c'est qu'un délai de 3 mois rallonge la fracture de quelques millions de dollars. J'en ai assez de tout le travail que nous faisons en laboratoire dépendre entièrement de considérations bassement terre à terre. Dès que ce projet sera terminé, j'irai chercher un poste ailleurs. Émetteur longue portée. Maintenant que la question du carburant a été tranchée, ils m'ont retiré du projet sur propulseur pour XMB pour mettre sur l'émetteur longue portée. Franchement, je pense qu'ils le mettent au placard parce que je suis le seul imbécile qui ose se plaindre quand quelque chose ne va pas. Donc, au lieu d'élaborer des mélanges de carburant et de faire des calculs thermodynamiques complexes, ils me font travailler sur une radio améliorée. Je suis content de voir que mon doctorat en physique nucléaire est employé à sa juste valeur. L'objectif est d'augmenter la portée de l'ELP d'au moins 50% avant la fin du mois. Un enfant pourrait le faire. J'ai réussi à améliorer la portée de l'émetteur de 70%, tout ça en à peine 3 semaines. Avec ce bijou, le vaisseau de l'USSA pourra contacter la Terre en moins de 10 minutes. Il ne me reste plus qu'à miniaturiser l'appareil de moitié pour qu'il rentre dans l'espace alloué et j'en aurai terminé. J'espère qu'ils m'affecteront à un projet plus intéressant après ça. Pour le coffre, ça ne m'intéresse pas. Hop, vu qu'on l'a déjà ouvert. Atelier de chimie, par contre, ça peut m'intéresser. Du psychojet. Oh, je peux faire des cocktails Molotov. Ok, la suite. Ok. Ok. Génial, génial, génial. Bon. On aurait bien tout visité là-haut. Ah, quoique non, pas encore. Établi d'armure. Hop. Ce objet ne peut pas être recyclé. Ah oui, c'est parce que c'est un légendaire en fait. D'accord. Jambière gauche en métal, peinture. Ouais, donc si je mets ça. 8, 4. Ah, 4, 7. Ouais, pour l'instant, c'est pas extrêmement utile. Bizarre ce truc. Établi d'armes, qu'est-ce qu'on peut faire? Celui-ci, ça, par contre, je peux le. Hop, voilà. Ça aussi. Hop.
Stimulation, je voulais voir ce que c'était que ça. D'accord, dégâts de tir critique et précision améliorée. Pourquoi pas? Bidon d'aluminium, boîte à outils. Térébenthine. Microscope. Là, on a un passage vers un endroit qui n'était pas. Hop. Livre brûlé, dommage. J'y ai presque cru. Un endroit qui n'était pas accessible. Stealth Boy. Oh, intéressant. Ça se revend bien, ça. Attention au piège, cependant, je le sens pas. Ah, merde, il était ouvrable. Il était ouvert, cet endroit. Mais c'est la porte que j'ai. Ah oui, j'avais même pas vu en fait qu'il y avait un passage ici. D'accord, ok, c'est cool. Bon, bah on progresse. Hop, on va retourner voir l'autre tintouin. Et je pense qu'on va mettre fin à cet épisode ici. Donc une fois qu'on l'aura retrouvé. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Pérou, pour retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu. Et je les en remercie. Encore une fois, un grand merci à eux. Oh. Oh. Bonjour. Oh, génial. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Il s'est barré sans moi. Salut les gens. Et hop. Et hop.